direction Bastia, 500 km, dont 200 chronométrés. On va voir si Didier Auriol est déjà le plus rapide. Voyons aussi si Bruno Thierry maîtrise bien sa boîte séquentielle. Auriol signe le premier scratch, mais sur les 26 km de la première spéciale Pietra Rossa, il n'a pris qu'une seconde à Carlos Sainz et une seconde à Colin McRae, déjà bouillonnant. Tout en souplesse, Bruno Thierry concède 6 secondes à Auriol, mais il nous fait l'heureuse surprise de précéder le maître Juha Kankkunen, l'ambitieux Andrea Agini. Bruno est déjà le meilleur pilote Ford. Il devance Kuniko de 5 secondes et Miki Biasion de 6 secondes. Deuxième et troisième spécial, les tendances se confirment. Auriol est toujours le plus rapide, mais Carlos Sainz le talonne. Dans la troisième spéciale, Bruno Thierry confirme son superbe départ. Troisième, il n'est battu que par Auriol et Sainz. Par contre, il bat à nouveau l'espoir italien Agini, le remplaçant de Delecour, Kuniko, le quadruple champion mondial, Juha Kankkunen, le numéro 1 de Ford, Miki Biasion, et même le fulgurant Colin McRae. Incroyable Bruno Thierry, alors qu'il dispute son premier tour de Corse en 4 roues motrices, alors qu'il découvre une boîte de vitesse inhabituelle, il pointe le museau de son escorte juste derrière le duo impérial Auriol Sainz, les deux grands spécialistes de la Corse. En 37 minutes de course, Thierry n'a concédé que 14 secondes à Auriol. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a repoussé Agini à 4 secondes et Kankkunen à 5. Ce qui est révélateur, c'est qu'à voitures égales, il a pris 17 secondes au duo de ses équipiers italiens Kuniko et Biasion. Malheureusement, son formidable départ va être anéanti par des ratés de moteur. On va voir. Problème électrique, le ratatouille. Il n'y a pas de puissance, ça n'avance pas. Juha Kankkunen devrait aussi être déçu. Sixième seulement du général à 19 secondes d'Auriol, il est devancé par Agini, Thierry, McRae et Sainz. Mais le quadruple champion du monde prend les choses avec une étrange philosophie, lui qui a pourtant horreur de ne pas être le meilleur. Que voulez-vous? Ils roulent ici depuis 10 ans. Ils connaissent tout par cœur. Mais moi, je suis content de ce que je fais. Vous êtes impressionné par Didier Auriol? Oui, mais il connaît tout par cœur. C'est un Auriol très agressif, en tout cas. Oui, il va bien, il va bien. L'incorrigible Colin McRae allait bien lui aussi, peut-être un peu trop bien. Il sort de la route dès la quatrième spéciale. Cinquième spéciale, Ghisoni. Auriol est encore et toujours le plus rapide sur 19 km. À 94 km/h de moyenne, il prend une nouvelle seconde à Carlos Sainz. Et deux secondes à l'étonnant Andrea Agini. Juha Kankkunen, qui se plaint de ne pas connaître suffisamment les routes, ne perd que 3 secondes sur Auriol. Gianfranco Kuniko perd encore 4 secondes. Miki Biasion en perd 10, c'est énorme. Et Bruno Thierry, impuissant avec son moteur poussif, doit en lâcher 14 d'un seul coup, autant que lors des 3 premières étapes spéciales. Cette fois, après le rodage matinal, la grande bagarre est vraiment engagée. Les ténors attaquent tous à fond. Question de bien se placer pour le deuxième jour. On se bat au dixième de seconde, sauf Bruno Thierry, qui regarde s'échapper ses rivaux, perdant place après place. À l'épingle de Vezzani, dans la sixième spéciale, Kankkunen n'est pas parfait dans l'exercice du frein à main. Miki Biasion est plus efficace. Et Carlos Sainz est très propre. Cependant, c'est Didier Auriol qui s'enroule le mieux. Bruno Thierry sait qu'il doit encore s'améliorer dans l'utilisation du frein à main en 4 roues motrices. Mais à voir Kuniko, on se rend compte que ce n'est pas si simple de faire voltiger 300 chevaux turbo-compressés.
Lyon arrive à Bastia en conquérant, il signe tous les scratchs du premier jour, 8 sur 8, il a dicté sa loi à Carlos Sainz. Il y a 15 mois, depuis sa dernière victoire au Monte Carlo, qu'on n'a pas vu Auriol aussi souriant. Je crois que ça se passe très bien aujourd'hui, donc on ne peut qu'avoir le sourire. Et des yeux souriants. Je crois que la voiture est fantastique. Donc on se fait plaisir en pilotage, donc tout va bien. Auriol à la pêche. Bah oui, à partir du moment où la voiture va bien, automatiquement on a la pêche. Scratch après scratch. Vous vous dites que c'est déjà à moitié en poche? Non, pas du tout. Je crois que c'est pas du tout gagné. En plus, sur ces routes-là, il y a quand même beaucoup de pièges. Et bon, on peut être à la merci d'une faute partout. Et puis, il y a toujours le problème mécanique aussi qui est présent. Donc, je crois qu'il faut rouler à l'attaque parce que je suis obligé de rouler à l'attaque parce que Carlos met beaucoup de pression. Et puis on verra. Hein, si la chance est avec nous, ça sourira et on verra. Andrea Ghini a concédé une minute à Auriol, c'est très honorable. Kankkunen en a concédé davantage. La Corse ne l'inspire toujours pas. I can't go much faster. Je ne peux pas aller beaucoup plus vite. Vous aimez ce rallye ou c'est une charge pour vous? J'aime certaines spéciales, certaines sont chouettes. Et vous êtes à la vitesse maximum? Disons que je roule en sécurité. Gianfranco Cunico pointe derrière Kankkunen. De justesse, il a dépassé la Ford de Bruno Thierry qui semble enfin débarrassé de ses ratés de moteur. Il était grand temps. Je crois que sans ce problème-là, je crois que en étant un petit peu optimiste pour une fois, je crois qu'on aurait pu faire rentrer dans les trois premiers. Maintenant, ça ne sera plus le cas. Vous avez perdu plus d'une minute. On dit qu'en rallye, les minutes ne se rattrapent jamais. Demain. Du temps perdu ne se rattrape jamais. Ça, c'est vrai, ça, c'est clair. Maintenant, bon, je vais essayer demain encore, comme on l'a encore fait ici dans la dernière spéciale, de précéder les autres fortes. Voilà, c'est tout. Ces mystérieux problèmes électriques enfin solutionnés, Bruno a donc retrouvé le sourire. Par contre, Micky Biasione a le sourire crispé et ses supporters grimacent. Tout au long de la journée, il a été débordé par Bruno Thierry. Bruno est sixième, 6 secondes devant Biasione et 18 secondes derrière Cunico. Kankkunen est quatrième à 1,14 d'Auriol, Ghini est troisième à 1 minute, Sainz a perdu 35 secondes, mais ces 35 secondes, il va évidemment tout faire pour tenter de les récupérer. Auriol est loin d'avoir Corse gagné. La deuxième journée du Tour de Corse entre Bastia et Calvi ne comporte que 160 km. 160 km qui permettront de répondre à deux questions. Carlos Sainz parviendra-t-il à inquiéter Didier Auriol? Bruno Thierry retrouvera-t-il le rythme après ses ennuis de la première journée? Carlos Sainz attaque. Dans la première spéciale, il bat Auriol d'une seconde. Ce n'est qu'une petite seconde de perdu, mais elle est importante. Auriol est battu pour la première fois depuis le départ. Bruno Thierry est bien réveillé. Il est troisième en précédant Kankkunen, Ghini, Biasione et Cunico. Je peux vous dire qu'il y avait moyen de faire un peu mieux parce qu'il y avait trois épingles à négocier au frein main. Le frein main ne fonctionnait pas. Et j'ai perdu encore au moins quelques secondes dans ce cas-là. Donc il y avait peut-être encore moyen de faire mieux. Mais bon, ça c'est de nouveau. Là, on dépend toujours de la mécanique. La dixième spéciale, Sant'Andrea, pont de Rumitorio, est un grand juge de paix. 41 km dans le maquis montagnard de la Corse profonde. Gianfranco Cunico va en être victime. Il percute un mur, casse son escorte Cosworth, il doit abandonner. Auriol réplique à l'offensive de Sainz, il commet une faute, un tête-à-queue. Au terme de cette deuxième spéciale, il concède 9 secondes à Sainz, il est inquiet, mais il camoufle ses doutes. Bah, tout va bien, on a fait un tête-à-queue dans celle d'avant. On a perdu 20 secondes, mais enfin ça va, c'est pas méchant. En réalité, en deux spéciales, Sainz vient de reprendre 10 secondes à Auriol, il n'en est plus qu'à 25. L'Italien Ghini conforte sa troisième position malgré des problèmes de sous-virage. Ça ne va pas très bien, il va falloir résoudre ce problème de sous-virage.
par-ci, un coup par-là, Kankkunen apprend la Corse et c'est dur dur. It's okay. How do you feel this morning, you are? Good. No problem. It's okay. C'est ok, mais les autres vont vraiment très vite. Kankkunen vient de signer le troisième temps partiel à égalité pure avec Auriol, juste derrière Sainz et Aguini. Biasion est cinquième de cette spéciale, à 27 secondes de Sainz. C'est énorme. À l'arrivée, il regarde les chronos et constate les dégâts. Ton analyse. J'ai un peu de problèmes avec la voiture. Bruno Thierry a aussi des problèmes bien plus importants. À son arrivée au contrôleur air, on devine que c'est grave. On n'a pas envie de poser des questions à Bruno. Bruno n'a pas envie de parler. Après son calvaire de la veille, et alors que tout marchait à peine mieux pour lui, il entame maintenant un nouveau chemin de croix. Et les problèmes de boîte. Elle saute tout le temps. On ne pourra changer la boîte que le soir à Calvi. Privé de quatrième rapport, Bruno va être sérieusement pénalisé pendant quatre spéciales. Il lui reste à prier pour que les autres rapports ne cassent pas eux aussi. En attendant, il va devoir jongler pour limiter les dégâts. Auriol respire. Dans la Porta Barqueta, 11e spécial, il repousse Sainz à 2 secondes, mais l'Espagnol connaît des problèmes. J'ai perdu mes freins après 2 km dans cette spéciale et c'était vraiment très difficile. La pression que Sainz fait supporter à Auriol est très forte. Pour ne pas céder de terrain, le Français doit attaquer à la limite. De plus en plus agressif, Sainz insiste encore. Auriol réplique, mais il se paie alors une petite frayeur. Je me suis appuyé sur un monticule de terre, mais un petit peu trop fort, et ça m'a renvoyé de l'autre côté, je suis parti en tête à queue. Après une matinée complète d'offensive totale, Sainz n'a en fait repris que 3 secondes à Auriol. Il en est toujours à 32 secondes. Le duel Sainz-Auriol est tellement violent que Kankkunen perd encore 24 secondes. Et pourtant, le Finlandais ne regarde pas souvent le paysage. Si vous faites ce rallye 10 ans d'affilée, vous le connaissez par cœur. Et alors, c'est facile. Et vous, vous aimez la Corse? Oui, c'est super, mais pour les vacances. Kankkunen est vraiment trop détendu, ça cache quelque chose. N'est-il pas en train d'emmagasiner discrètement de l'expérience pour gagner en 95 le seul rallye qui manque à son fabuleux palmarès? L'énigmatique Finlandais est le seul à connaître la réponse. Bruno Thierry n'a pas le cœur à rire. 104e vitesse, il traîne sa peine en perdant les secondes par paquet de 10. Poliment dit, il y a de quoi enrager. C'est très gênant en effet, surtout sur un rallye qui tourne énormément. Donc c'est sûr qu'en plus c'est le rapport qu'on a le plus besoin, c'est la 3e, 4e et 5e. Et là maintenant je vais devoir chaque fois sauter une vitesse et je vais perdre énormément de temps. L'après-midi va paraître très long à Bruno, en attendant que ce soir à Calvi, on lui change sa boîte de vitesse. Pour Auriol et Sainz, l'après-midi sera très très courte. Dans la première spéciale, Didier Auriol signe le scratch. Carlos Sainz réagit aussitôt en signant les 2 scratchs suivants, mais il ne prend chaque fois qu'une seconde à Auriol. Sur l'ensemble de la journée, Auriol n'a donc concédé que 2 secondes à Sainz. Conclusion, Sainz a attaqué pendant 1h44 pour vraiment pas grand-chose. Demain, j'essaie la même chose. Il faut continuer à attaquer sans faire de faute, bien sûr. Bruno Thierry et Stéphane Prévost en terminent avec leur journée gâchée par une 4e en congé. Ils rentrent à Calvi attardés, mais ils sont là et la boîte est enfin changée. Demain est un autre jour, on va essayer de pas de rattraper le temps perdu, ça ce n'est hélas pas possible. Mais enfin, Biasion est 46 secondes devant nous maintenant. Je pense qu'on va aller plus vite que lui demain, mais 46 secondes, ça va être un peu juste, je pense.
Thierry Prévost ont évité le naufrage. Ils ont amené leur barque en 6e position. Ils sont à 46 secondes de Biasion 5e, Kankunen est 4e, Aguini 3e, Sainz est 2e à seulement 33 secondes d'Auriol. Rien n'est joué, c'est évident. Après deux journées de course, Didier Auriol a donc déjà gagné deux batailles, mais pas encore la guerre. Au cours de cette troisième journée, entre Calvi et Ajaccio, entre la mer et la montagne, on peut s'attendre à la grande contre-offensive de Carlos Sainz et à quelques escarmouches de Bruno Thierry. La Corse s'éveille en douceur en cette belle matinée de printemps. La mer frissonne, la montagne frémit, le soleil caresse déjà les falaises ouest de l'île de Beauté. Place au combat des maréchaux de l'Empire. Didier Auriol s'élance dans le désert des Agriates. Il boucle les 28 bornes à 100 km/h de moyenne, mais son embrayage patine. Sainz part derrière lui, il se défonce. À 103 km/h de moyenne, il bat Auriol sèchement et lui reprend 16 secondes d'un seul coup. Dans la suivante, Fango Partinello, nouvelle estocade, Sainz attaque plus fort encore. Il pique 4 secondes à Auriol, qui est pourtant à la limite de ses forces. Incroyable mais vrai, entre ces deux hyper spécialistes de la Corse en pleine bagarre, un super doué s'intercale. Bruno Thierry bat Auriol de 2 secondes et il ne concède que 2 secondes à Sainz. C'est l'exploit de Bruno. Bruno le relaxe. Alors Bruno, comment vous sentez? Bien, et vous? Pas trop mal? Ça va. Ça bien va. Dormi? Oui, oui, moi j'ai bien dormi, oui. Bien réveillé en tout cas. Oui, ça aussi. Les calanges de Piana. Sainz signe son 3e scratch consécutif. Il chippe encore 3 secondes à Auriol. I think it's 10 now. 10. 10. Je crois que je suis à 10 secondes maintenant. Yeah. Oui, 10 secondes. J'attaque et je vais continuer à attaquer. You will continue. Yes. En 3 spéciales, Auriol a donc perdu 23 secondes. Il sent dans son cou le souffle brûlant du matador. Le superstitieux Auriol tremble. Tu as des problèmes, Didier? Ouais, surtout dans la première ce matin, l'embrayage qui patinait. De l'huile qui tombait sur l'embrayage. Thierry confirme son état de grâce. Maintenant que son escorte fonctionne bien, il fait quasi jeu égal avec Auriol et Sainz. La voiture se comporte vraiment admirablement bien. À part la première spéciale, elle a eu tendance un peu à ratatouiller. Mais maintenant, je suis très content, elle va bien. La preuve. Vous attaquez? S'il vous plaît? Vous attaquez? Un petit peu, on se fait plaisir. La spéciale Vico Valle di Mezzana va être décisive. Sur 43 km de chemin montagnard, Auriol va devoir résister aux ruades de Sainz. Moins de 10 secondes les séparent, Auriol se livre à fond. Il n'a pas le choix, ça passe ou ça casse. Il arrive épuisé, pneus détruits. Les gommes sont finies, hein. Bob, à boire, à boire. Comment sont les gommes avant mort, non? Sur ces 43 km de vérité, Sainz lance son ultime offensive. Auriol a signé 31-1, Sainz fait seulement 31-45. Il a perdu 44 secondes, sa barre anti-roulis a cassé, les pneus ont surchauffé, le gauche a crevé, Sainz est battu. Pour se tester lui-même ou pour frapper un choc psychologique sur ses rivaux, Kankunen place un sprint total. Il n'échoue qu'à 2 secondes d'Auriol. Vous commencez à aimer la Corse. Oui, mais c'est trop tard. On verra l'année prochaine. Quant à Bruno Thierry, lui qui n'a plus vraiment de raison de se battre, il signe à nouveau un chrono surprenant, un chrono de chef. Sur ce marathon tournoyant de 43 km, il n'est qu'à 5 secondes de Kankunen, mais devant Biasion et tous les autres. Troisième temps, Bruno. C'est dur. C'est difficile, la poussière et tout. Puis les autres qui coupent et qui me ramènent de la crasse. Enfin, sinon, il faut faire du circuit si on ne veut pas de la terre sur la route. Dans l'ultime spécial, Bruno va faire plus fort encore. Alors que Sainz tire ses dernières roquettes. Alors qu'Auriol galope pour ne pas être rattrapé in extremis sur le poteau. Alors que tous les pilotes veulent signer un dernier exploit. Bruno Thierry et Stéphane Prévost terminent leur premier tour de Corse en apothéose en réalisant le dernier meilleur temps scratch absolu. Et Bruno n'y croit pas. Bruno, à
scratch. Scratch. Bruno, oui. Bruno, vous faites le scratch. Non. Alors attendez, on va attendre confirmation. Hein. Meilleur temps. Meilleur temps pour l'instant, 18:38. Hein. 18, temps à battre. 18:36 scratch. Voilà une bonne nouvelle. Pour la première fois de leur carrière, Thierry et Prévost ont battu Sainz, Biasion, Auriol, Aguini et Cancunen. Ben voilà, vous avez battu Carlos Sainz de 3 secondes. Et je crois que c'est votre tout premier temps scratch absolu, tout seul. Hein. Tout seul comme un grand. Ouais, impeccable. C'était dur. C'était dur aussi pour Didier Auriol. Après 15 mois de doute, il est sorti de sa spirale infernale de 13 victoires mondiales. Voici enfin sa 14e victoire. Vous êtes superstitieux, Didier ? Assez superstitieux de moins en moins, mais disons que là, c'est ma 14e victoire et c'est fantastique. Et par contre, le problème que j'ai eu ce matin, je suis parti Bernard à 7h13 encore. Vous le saviez ? Je l'ai su, Bernard me l'a dit à la fin du rallye. Didier Auriol et Bernard Rocelli remportent leur 5e tour de Corse devant Carlos Sainz à 1 minute 01. Aguini est 3e, Cancunen 4e, Biasion 5e. Bruno Thierry et Stéphane Prévost sont 6e. Ils ont encore progressé, ils auraient mérité la 3e place. Vous terminez par un scratch, un vrai scratch. Un vrai scratch tout seul et c'est vrai, je suis très fier. Bon. On avait encore Stéphane au départ de la spéciale, il m'a dit « Allez, il faut qu'on termine en beauté ». Et je me suis dit « C'est vrai, il a pas entièrement autour, mon petit copain, alors on va essayer de faire quelque chose » et ça a marché. Au championnat du monde des pilotes, Bruno a maintenant 12 points. Didier Auriol a pris la tête devant Cancunen et Carlos Sainz, diablement revigoré. Comme un toréador blessé, l'Espagnol sera dangereux au prochain rallye, l'Acropole. L'Acropole was the first rally I won in my life. L'Acropole, c'est le premier rallye mondial que j'ai gagné dans ma vie, dans ma carrière. J'espère le gagner, mais ce sera difficile face à Toyota, Ford et Mitsubishi. En attendant, Toyota est largement en tête du classement des constructeurs devant Subaru et Ford. À l'Acropole, on va vivre un autre combat de demi-dieu.